on sait très bien que vous adorez quand on fabrique des cabanes. Alors on a déjà fait des cabanes avec tout ce qu'on a trouvé dans la maison, après avec du carton et aussi avec des couvertures. On vous met toutes ces vidéos ici dans le petit i. Et avec Elina, on s'est dit de faire une cabane avec quelque chose d'autre comme du film. Voilà, transparent, étirable. Et on va essayer de faire avec ça une cabane. Donc je vais faire ma cabane de ce côté. Et Elina de l'autre côté. Je vais le faire ici. On a deux différentes couleurs de film, du transparent et du noir. Moi je pense que je vais mélanger les deux. Et toi, Maria? Moi je pense que je prends le transparent. D'accord. Et vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle couleur de film vous aurez pris. Donc là je vais d'abord y aller sur internet pour trouver des idées comme cabane à faire, parce que j'aimerais pas trop faire comme d'habitude avec quatre murs. Donc voilà, donc là ils sont grands et petits, ça a l'air plutôt beau. Voilà, c'est ce genre de cabane que je recherche. En bas il y aura le sol et là il y aura le petit triangle. Je vais faire en sorte de triangle. Attends, je vais m'aider sur ça. En gros, je vais faire des bâtons comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je pense que 6 c'est assez. Et après, ben, je vais enrouler du film comme ça autour. Je vais faire une cabane simple, carrée. Voilà. Et en fait, j'avais fait rectangulaire. Là, je pense que je vais faire un carré, mais bien grand. Alors, ça sera comme ça. Et là, je vais faire en 3D juste. Bon, c'est juste pour que vous voyez. Là, ça va faire comme ça. Ça, ça sera ma maison en 3D. Donc ici, je mets des bâtonnets. Ça tienne là aussi, là aussi, là aussi. Sur le côté aussi, ici et ici et là. Ça sera un cube en bâtonnet, voilà. Et je vais juste ici, genre sur les côtés, en haut, voilà. Je vais mettre le film. Et voilà, j'espère que ça va tenir. Mais je vais en mettre beaucoup plus de couches, beaucoup, beaucoup. Et juste, je pense que devant... Et j'ai effacé tout. Attendez, je peux me reculer. Je pense que... Voilà, voilà. C'est juste que j'ai fait trop... Voilà. Alors, attendez, épaisseur. Je vais faire un petit... Et ici... Attendez, je vois plus ma maison. J'ai l'impression qu'elle est bizarre. Ici, je pense que je vais faire une petite porte. Mais ça sera pas une porte qui ferme ou qui s'ouvre. Ça sera juste un trou. Comme ça, tu pourras rentrer dedans. Voilà, ici. Je sais pas comment vous montrer, mais voilà, une petite porte. J'espère que vous n'avez pas oublié de mettre des likes. Mais pour ceux qui ont oublié, rappel, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je suis venue ici pour aider Amélia juste à tenir. C'est bon, je vais faire comme ça. Ouais, je vais faire un peu comme ça. Mais ça, on fait avec 6 bâtons. Donc là, je dois savoir comment ils peuvent pas tomber, parce que si je fais ça et que ça tombe, voilà. Donc je trouve quelque chose. Je lâche à 3, 2. Donc voilà à quoi doit ressembler ma maison. J'ai juste à attacher un peu là en haut et il me faut un support pour le bas. Donc je pense que je vais demander à mon père pour qu'il m'aide. Voici mes supports pour les murs de ma cabane. Donc mon père il l'a fait. Voilà. Ici et ici. Je vais le mettre comme ça, de cette forme. Je peux pas vous montrer parce que ça se tient pas du coup, mais ce côté je vais mettre encore en face. Voilà comment j'aurai une grande cabane. Ce sera en cube comme ça. Voici le support que mon père m'a fait en métal. C'est un octogone. Et maintenant je viens de comprendre qu'il ne faut pas 6 bâtons mais 8. Un bâton dans chaque angle. Donc au total 8. Elle est en train de m'aider. Amélia peut pas le faire, du coup je l'ai fait à sa place. Je l'aide un peu. Donc voilà, on a placé que 4 bâtons sur 8, donc il nous reste plus que 4 bâtons à placer. Et voilà, regardez, maintenant les deux murs d'en face se tiennent. Maintenant il me manque juste à faire encore un bâton ici, ce côté aussi. Et là, j'aurai fini la construction et je pourrai enfin commencer à faire la cabane avec le fil. Je vais le mettre partout, je vais mettre plein de couches de noir et un film noir et un film transparent. Regarde ça, ma taille, ça, c'est comme si c'était une vraie maison. Yeah!
Hop là. Regardez, là j'ai fini les deux côtés. Maintenant il manque juste à mettre un support encore ici, comme ici là que j'ai mis. Un ici, un en haut. Quand je vous avais montré sur l'iPad, quand j'avais dessiné, j'avais pas dessiné ce support. Mais en fait j'ai compris juste après que j'en avais besoin parce que sinon c'est un trop grand et ça aurait fait un trop grand trou. Du coup le film il aurait pendu. Du coup j'étais obligée de le mettre. Le support. Donc voilà, j'ai placé tous les bâtons, mais pas 8 bâtons ni 6. J'en ai placé que 7 parce que si j'en allais mettre 8 bâtons, je pourrais pas bien passer pour faire les portes. Sinon ça serait trop étroit. Donc j'en ai placé que 7, sinon pas 8, pour avoir une plus grande porte et pour rentrer plus facilement. Et maintenant je vais l'enrouler. Donc là je suis en train de l'enrouler. Bon, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pas trop bien réussi à mettre le film, mais je suis en train de l'améliorer. A few moments later. Donc là je suis en train de réfléchir parce que quand j'essaie de mettre le film, j'arrive pas à bien le mettre en bas, ça fait que de remonter. Et si j'essaie de rebaisser, ça avance. Donc là j'essaie de trouver une technique, mais pour l'instant j'ai rien qui me vient. Peut-être que vous pouvez m'aider, vous avez qu'à écrire en commentaire des idées. J'ai décidé de commencer d'abord en haut pour après savoir qu'est-ce que je vais faire du bas. Alors là c'est bon, j'ai mis tous les supports de tous les côtés, là, 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 du coup il y aura ma porte. Et je vais d'abord commencer à mettre le fil sur le plafond. Hop là. Voici mon plafond, il est noir, j'aime beaucoup trop. Genre c'est tout lisse. Voilà, tadam. Et maintenant je vais faire les murs. Et moi je vais faire les murs en transparent, sinon après ça fera trop sombre dans ma pièce. Bon là j'ai déjà un habitant. D'abord je vais tout enrouler et après je vais faire la porte. Donc voilà, j'ai tout enroulé et maintenant je vais faire la porte. Bon là je vais coller de deux côtés. D'abord je vais mettre tous les films autour de mes murs, dont à ma cabane quoi. Et après, plus à la fin, je vais découper la porte et peut-être les fenêtres aussi. J'ai une petite question, est-ce que d'entre vous regardent la vidéo sans être abonné? Je pense qu'il y en a plusieurs, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout après cette vidéo, d'aller voir nos autres challenges parce qu'ils sont si cool que celui-ci. Donc tadam, j'ai fini avec le film transparent. Je pense que les fenêtres en vrai c'est pas obligatoire parce que vu que c'est transparent la lumière rentre déjà. Mais j'ai besoin d'une porte dans ma cabane parce que là même Dani il est coincé dedans, il ne peut plus sortir. Du coup je vais faire un trait au milieu. Je vais coller. Là. Regardez, j'ai une agrafeuse comme ceci.
Et ça aide très bien. Ça marche super bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous pensez que nos cabanes sont belles. Et n'hésitez pas à dire en commentaire surtout qui vous pensez à gagner dans ce challenge. Donc, on va montrer nos cabanes. La mienne juste ici, venez. Alors voici ma porte qui fait ma taille, je ne suis même pas obligée de me baisser. Cabane. Dedans, c'est tout lumineux, j'aime trop. Genre en fait, il y a de la lumière, mais pas beaucoup non plus. Voilà, et là je pense que je pourrais faire un bon petit studio, je pourrais ajouter des meubles, etc. Voici ma cabane, la porte, bon moi je suis obligée de me baisser. C'est petit mais moi je trouve ça mignon. Après c'est à ma taille, j'ai juste à me baisser pour qu'on me voit. Et ben voilà, moi je trouve que j'ai bien réussi ma cabane que je voulais faire. Et ça ressemble vachement aux cabanes qu'on faisait quand on était petit. Aujourd'hui on va faire un 24 heures dans nos cabanes en film. Voici ma cabane. Voici celle de Amélia. Et venez dans ma cabane, je vais vous la présenter. Regardez comment elle a emménagé. J'ai mis un tapis en dessous. Devant, il y a des pots de fleurs. Voilà. Je l'ai meublé à l'intérieur. Donc là, il y a des sièges, deux sièges. Une petite table. Voilà, j'ai même décoré. J'ai mis ma nourriture juste ici dans ce pouf. Et ici, il y a ma couverture pour dormir le soir que je vais placer ici, je pense. Voilà, moi j'aime trop ma cabane, c'est la première fois. Elle est à ma taille, je ne suis pas obligée de me baisser. Elle est assez grande. Du coup, maintenant, vous pouvez aller visiter la cabane d'Amélia. Voici ma cabane en film. Donc j'ai fait dans un thème couleur vert et jaune. Je trouvais ça trop beau. Et c'est la première cabane où je suis obligée de me baisser pour rentrer. C'est la plus petite cabane que j'ai fait qui n'est pas à ma taille. Mais au moins, je me sens bien à l'intérieur. Et à l'entrée, il y a deux vasons. Ici, il y a de la nourriture. Je vais l'utiliser comme un armoire. Et ici, il y a ma couverture pour que je fasse mon lit et quelque chose que je vais vous montrer après. Il y a des petits guirlandes qui font de la lumière bleue. Et c'est trop stylé, j'aime trop. Donc là, j'ai une petite table. Un gros doudou, je pourrais me mettre bien en vrai hein, pour dormir, hein. C'est à l'aise et tout, c'est pas si dur que ça parce qu'il y a la fausse herbe. Moi j'adore par contre cette cabane. Alors Amélie, on met le chronomètre pour 24 heures. Ok, 3, 2, 1, ça commence. Donc qu'est-ce qu'on peut faire Elina? Moi je vais ouvrir mon colis parce que j'ai commandé quelque chose sur internet, qui est cette palette pour Halloween, pour mon maquillage d'Halloween. C'est trop beau, regardez. Il y a plein de couleurs, noir, blanc, bleu, toutes les couleurs en fait. Les couleurs sont super vives. Et là, regardez, il y a des motifs. Je vais essayer de faire un sur mon bras, juste pour essayer. Là, il y a des pinceaux. Ahmed, tu peux venir m'aider? Oui. C'est trop beau. Non, mais c'est celui-ci. Ah, c'est celui-ci. Tadam! En vrai, c'est ça, avec. C'est bien, mais je pense que j'aurais dû prendre un plus petit pinceau. Ça aurait été mieux. Je suis en train d'apprendre les Pokémon parce que je joue tout le temps avec mon petit frère au Pokémon parce qu'il est fan de ça. Il a acheté ce livre et grâce à ce livre, je peux savoir comment ils s'appellent et à quoi ils servent. Et c'est vraiment incroyable, regardez. Et il a aussi acheté beaucoup de cartes, comme un carnet où il contient beaucoup de cartes légendaires. Incroyable. Il y en a plein de cartes rares. Vraiment, c'est énorme quand même. Voilà, le livre entier. Et il a même aussi acheté des grandes cartes. Il aimerait aussi acheter des mini-cartes. Pour l'instant, on est en train de chercher, mais on ne trouve pas. Donc, si vous savez où on peut le trouver, dites-nous en commentaire. Amélia, on fait un challenge. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Alors là, on a deux canettes ici d'Oasis violet et là, deux canettes orange d'Oasis aussi. Et il faudra changer de place les canettes. Donc, ça veut dire que ces canettes, elles devront être dans cette main et ces canettes dans cette main sans mettre les canettes sur la table et changer comme ça.
3, 2, 1, go. Gagné. J'ai plus regardé Lina que réfléchir. Donc voici un autre challenge avec ce qu'on a trouvé dans la maison. Donc on a chacune un grand fil et on a des pattes. Et on doit faire un collier le plus rapidement possible et le plus beau. Donc, avec quoi? Bah avec des pattes, regarde. Alors 3, 2, 1, go. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Donc moi pour l'instant j'ai fait ça. A few moments later. Voilà, moi j'ai fini, par contre j'aime bien. Ça fait un petit style, les deux pattes mélangées. Voilà. Donc dans ce round c'est moi qui a gagné parce que je l'ai fini en premier. Et surtout n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui a le plus beau collier. Donc là c'est bientôt l'heure du déjeuner et j'ai déjà très faim, je sais pas si Lina a la faim, mais moi j'aimerais trop manger maintenant. Et Lina, c'est bientôt l'heure du déjeuner, on peut manger? Viens, on fait un troisième challenge. Donc voici notre repas qui n'est pas encore fait, il faut le faire. Mais du coup j'ai décidé de faire un challenge avec. Alors Amélia, il faudra faire ton hot dog avec les yeux bandés et des baguettes. Vas-y, je me bande les yeux. Et bien sûr, quand je vais me bander les yeux, Lina devra changer les emplacements des assiettes. Attends, je me mets bien aussi. Allez. J'ai vu, elle a fini. Ah mais baisse ta tête. Baisse ta tête en bas. Baisse ta tête en bas. Baisse ta tête. Baisse ta tête. Wesh, ils sont où les saucisses? Pas la mienne. Mais ils sont où les saucisses? Tourne ta tête alors, tourne ta tête. Mais j'arrive même pas à attraper. Bien sûr, on s'est lavé les mains avant. Bah non, regarde. Bah mange maman. Non. Je pense que... Miam. On goûte. Ça va être sec. C'est sec. Ok, maintenant à mon tour. Ramène. Alors là. Je vais faire comme Amélie, vous allez voir. Alors, c'est bon? Non. Bien. La saucisse. Non, c'est le ketchup. Non, c'est pas ta sauce, c'est le ketchup. Ça, c'est la saucisse. Non, c'est le mayonnaise. Là. Ah, mais je rigole pas, remets. Remets là. J'ai mis où? Par terre.
les paroles jettes. Ah ça c'est pas du tout beau hein. C'est de la moutarde. Moi j'aime pas la moutarde. Mais par contre non. Ça c'est pas assez beaucoup. Il pas de la moutarde. Bon appétit. Voici le challenge, Elina. En gros, ce sera un dessin mixte. Donc, tu devras commencer un dessin et moi, je devrais le continuer. Mais moi, je devrais le changer dans un autre thème. Puis après, c'est toi qui changes au fur et à mesure. T'as compris? Non, j'ai pas compris. Mais ok, d'abord, je fais un dessin, j'ai compris ça. Moi, je vais dessiner une flèche. Moi, je peux faire une maison, regarde. Hein? Avec les petites fenêtres. Voilà, j'ai fait un ninja. Eh ben moi, je peux faire un t-shirt. Je suis en train de faire un dinosaure avec une autre grande. Un serpent, quoi. Non, il n'a pas de craque. Voilà, je pense. Et moi, je peux faire une bulle comme si quelqu'un pensait à quelque chose. C'est comment ça s'appelle déjà? C'est un ver de terre. C'est un ver de terre qui pense voilà au t-shirt et au dinosaure et tout. C'est bon, t'as perdu? Ben non. Moi je pense que c'est pas un ver de terre mais un papillon. Proto. Voilà. Qui vole. Et ça. On va dire que c'est le vent qui rentre sur lui. Ok, moi je vais... Attendez, réfléchis. Ah voilà, le papillon, il est sur une fleur. Il n'y a pas de vent en fait. 3, 2, 1. Et une main qui tape dans les... Perdu. Voici... comment le tableau il ressemble. Et j'ai gagné. Du coup là on va faire du basket. Voilà en mini. Bah oui hein, Daniel. Là, hein. Là et après t'appuies là. Là tu on vas... commence. Attends mais il faut qu'on se mette en face ici. Il faut qu'on se mette en face. Allez viens on change de siège. Ah mais ça commence trop. Attends, on refait. 3, attends. On est dans le basket, fait qu'on peut pas sortir, on le fait ici. Ouais. Oh, bonjour. Oh. 3, 4, 3, attendez. 2, 1, game. Et 3, 2, 1, go. Yeah. Tu l'as pas mis. Je mets qu'en haut. Comment t'arrives? Attends. Merci. Hey, tu m'as aidé en plus. Attendez, j'ai chaud. Ouais. Nul. Mais Daniel, tu peux ramasser les balles, s'il te plaît. Vous savez, on peut les jouer avec les pouces. J'avais vu ça. Mais arrête. Yeah. J'ai gagné 18 à 10. Wow. On refait une deuxième partie. Deuxième round. Ouais.
3, 2, 1, go. 1, 2, non, 4. J'ai chaud, maman, voilà. Je prends des Kinder. Après, ça c'est quoi? Des crêpes au chocolat et une compote. Et je pense que ça me suffit. Donc c'est une compote à la pomme mangue. Oh, j'ai jamais goûté. Une couche de papaye. Ça a l'air bon. J'aimerais trop goûter. J'ai jamais goûté. C'est trop bon. J'adore. Je vais voir qu'est-ce qu'Aïna a fait. Pour passer le temps, je regardais un petit film, il était trop intéressant. Et maintenant, je pense que je vais demander à Aïna de faire un petit challenge. Salut Aïna. Moi, je te demande si on pourrait faire encore un challenge, un truc de sport. Par exemple, faire des squats, tu lances le dé. Et le nombre qu'il y a, par exemple 2, tu devras faire 2 squats. Ok? Donc, premier round, là, on va sauter. Donc... moi je saute 5 fois. Deux. Ça se fait pas hein. Toi ça va. Ok, moi je vais faire 5 sauts. 1, 2, 3, 4, 5. Non, en plus j'ai des courbatures parce que j'ai fait le cross dans mon collège. Oh, j'en pouvais plus. Et toi c'est 2. 1, 2. Maintenant, des squats. Vas-y, combien je vais en faire? 2. Bah, j'ai juste 2 squats à faire. 1. Toi, t'as toujours de la chance, hein, ça se fait pas. Ouais, mais il y a... waouh. 1. 2. J'ai mal aux cuisses. Et là, on va faire des jumping jacks. 5. Non, c'est sur le milieu, donc je relance. 5. 3. Ok, regarde. 1, 2. Allez, toi. 4.
sac. Bon. Tu veux tomber tout parfois, là. Alors moi je suis fatiguée, j'ai pas envie de manger et je pense que je vais aller dormir. Et c'est même pas une sieste que je vais faire, c'est dormir jusqu'à demain matin. Moi je pense que je vais faire aussi la même chose. Moi je vais dormir. Hein. Oh, attends, j'ai un peu rassemblé un peu tout ça ici.